bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble un petit unboxing. Vous l'aurez compris, un petit unboxing de la maison Hermès, puisque je ne sais pas si vous avez vu mon vlog juste avant celui-ci, que j'ai posté je crois en début de semaine ou fin de semaine dernière, de ma visite justement dans plusieurs boutiques Hermès. Et oui, ce serait compliqué. Nous sommes en période estivale, hein, donc en plein mois d'août, on va dire fin juillet, début août. Donc il est vrai que certaines choses sont assez dures à trouver, surtout en particulier de tout ce qui concerne les produits de la maison Hermès. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui sont tout juste abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Olivia et cette chaîne, tout simplement, parle, comme vous l'aurez compris, de luxe. Différents vlogs également et éventuellement différents tests de différents articles de luxe, en tous les cas tout ce qui englobe hein, les différentes maisons, vous l'aurez bien compris, et également pourquoi pas parler de plein d'autres choses, mais pour l'instant on va déjà commencer par ce petit déballage qui concerne donc un article, vous l'aurez compris, de la maison Hermès. Mais avant toute chose, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire, à ne pas oublier d'activer la cloche de notification afin que vous soyez informés dès lors où je posterai une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous aimeriez pourquoi pas voir dans les prochaines vidéos que je vais diffuser, même si effectivement on peut parler de tellement de choses. Mais bon, voilà, c'est une chaîne qui démarre, hein, donc on va y aller lentement, mais sûrement. Voilà, je vous dis à tout de suite, on va faire ce petit déballage ensemble.
comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Voilà, moi honnêtement, je les ai tout juste essayés. Je ne les ai pas encore vraiment pris, portés sur du long terme. Mais on va voir tout ça ensemble et on reviendra sur les différents détails. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est présenté comme ceci. Franchement, c'est très qualitatif, c'est-à-dire que même le Dots Bag, on sent que voilà, c'est pas... Vous voyez, au niveau du tissu, on sent que c'est pas quelque chose de quelconque. Voilà, on sent que c'est la matière, elle est un petit peu rêche. Mais on sent, voilà, que c'est... Alors, c'est présenté comme cela, comme vous avez pu le voir au niveau du unboxing. Et comme vous avez pu le constater également, on est effectivement sur cette couleur-là. Donc là, vous voyez, quand on le voit comme ça, on se dit, voilà, pour moi, pareil, je me dis, voilà, c'est du marron. Voilà, pour moi, c'est clairement du marron. Par contre, Hermès, eux, sur leur site, vous voyez, ils disent que c'est la couleur gold piqûre écrue. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, a priori, c'est les finitions qu'ils appellent gold. Hein, mais bon, écoutez, c'est comme ça qu'ils le référencent au niveau de leur site. Et puis, vous avez à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez correctement, vous avez donc le petit logo Hermès, voilà, qui correspond, du coup, vous l'aurez compris, à la maison donc de luxe Hermès. Ici, derrière, donc là, on voit hein, que donc c'est une chaussure qui est tout cuir, très honnêtement. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, on fait vraiment très clairement de la bonne qualité. Ici, voilà. Et là, on a ce qu'on appelle du cuir de vachette, donc du cuir de veau. Alors là, ils ne le précisent pas, ils mettent simplement semelle en cuir. Mais on voit bien que c'est effectivement du cuir de vachette. Je vais même vous dire plus loin, sachez que l'arrière ici, c'est exactement le même type de cuir que l'on retrouve sur les sacs Louis Vuitton. Je ne sais pas si vous voyez, il faudrait peut-être que je vous en montre un, mais c'est exactement la même chose. Par exemple, sur le Neverfull, le sac Neverfull. Vous avez toute la anse qui est faite justement avec cette cuir de vachette et sur bien d'autres sacs de la maison Louis Vuitton. Donc dites-vous que vous marchez là-dessus. C'est quand même assez exceptionnel. Mais en tout cas, voilà, vous marchez dessus. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai essayé à plusieurs reprises. J'en ai essayé sur plusieurs jours différents pour être sûre de la taille de la chaussure, pour ne pas me tromper. Sachez également que là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais faire mettre une semelle. Moi, je vous conseille en tous les cas, si vous achetez cette paire de chaussures, surtout également au niveau de l'usure, parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est quand même pas très très épais, vous voyez. Donc, c'est vrai que, à force de les porter, hein, vous allez les utiliser, donc les user. Et je trouve que c'est très très bien, du coup, de mettre une protection à l'arrière. Donc, ça se fait généralement chez le cordonnier, de manière à ce qu'il vous rajoute, en fait, c'est une semelle, hein, une semelle supplémentaire qui va vous mettre en dessous et qui permettra que votre chaussure dure encore un peu plus dans le temps. Voilà, donc, c'est présenté, vous voyez, avec... Même ça, c'est un peu en coton. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est du coton. Et voilà, donc, on voit bien la finition de la chaussure qui est quand même parfaite, honnêtement, vraiment parfait, parfait. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure porté, mais je les adore. Alors, il faut savoir qu'il existe, voilà, ce type de chaussures existe vraiment de toutes les coloris, je crois. Je crois que la dernière qui est sortie, elle est verte. Ouais, je crois que c'est en vert. Je vais vous le montrer juste là, une sorte de vert un peu clair, un peu pastel. Ils l'ont sorti aussi en noir avec en vert foncé. Mais bon, honnêtement, je trouve que les coloris, c'est super bien, mais quand on en a déjà plein... l'incontournable, en tout cas les basiques qui restent sur ce type de chaussures, ça va être ce modèle-ci. Vous avez le blanc et vous avez le noir. Ça, c'est les modèles qui seront toujours en catalogue. Et après, effectivement, vous avez les différentes coloris qu'ils sortent en fonction des saisons, en fonction des années aussi. Chaque année, voilà, ils essaient de sortir une à deux couleurs différentes, un peu pour appâter. Mais je trouve que c'est pas mal, en tous les cas, quand on souhaite investir sur une bonne paire de sandales. Parce qu'autant vous dire que c'est vraiment ma toute première paire de sandales de la maison Hermès. Mais j'en voulais absolument une. Je me suis dit, c'est pas possible. Tout le monde, introuvable. La paire de chaussures est introuvable. C'est-à-dire qu'on ne la trouve pas du tout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour qu'il y ait un tel engouement sur cette paire de chaussures, c'est qu'elles doivent être le top. Ça doit être le graal de la sandale. Alors honnêtement, on m'aurait dit il y a peut-être 5-6 ans que j'aurais investi autant sur une paire de sandalettes. Je ne l'aurais jamais fait. Maintenant,
On est sur du pur cuir. Donc honnêtement, c'est une chaussure, en tout cas c'est une sandale, si vous en prenez soin, vous la nettoyez correctement et que vous n'allez pas dans la boue, elle peut vous durer toute votre vie en fait. Hein. Contrairement aux petites sandales qu'on achète, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, pour dépanner entre guillemets, mais qui, voilà, vous faites 1 an, 2 ans avec, elles sont déjà fatiguées, vous voyez. Donc là, honnêtement, voilà, ça reste un achat conséquent, certes. Mais au moins vous l'avez dans le temps. Alors dans l'idéal, hein, voilà, ce serait bien que j'en ai plusieurs. Pourquoi pas en blanche, en noir. Mais c'est vrai que les coloris qu'ils ont sortis sont juste magnifiques. Il y a une paire de jaunes aussi foncés que je trouve vraiment superbes. Mais bon, pareil, on les trouve pas. Bon, vous savez que j'aime bien le rose. Il y avait aussi du rose. C'est très compliqué à trouver. Mais en tous les cas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, franchement. Allez-y, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, en tout cas si vous arrivez à trouver votre taille. Mais vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'aller, quitte à y aller 2 fois dans la boutique Hermès. Je sais que ça peut être redondant, mais allez-y, essayez-les et à différentes périodes de la journée, parce que le pied, malheureusement, peut être amené à changer. Voilà, après, encore une fois, à voir. Vous voyez, hein, on voit tout de suite que c'est quand même une paire de chaussures qui, à la base, est faite pour les pieds fins. Oui, il faut qu'on se le dise, hein, ce n'est pas des chaussures qui vont forcément à tout le monde, notamment les gens qui ont des pieds très très larges. Je pense qu'au niveau des ampoules et autres, ça peut effectivement poser problème. Voilà. Mais n'hésitez surtout pas à essayer et à les essayer. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, en tous les cas, que ce ne soit pas quelque chose d'adapté. Mais il faut vraiment essayer. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé ma wishlist ou pas, je vous mets le lien juste au-dessus. Sachez que cette paire de sandales était justement sur ma wishlist 2022. Puisque je vous dis, ça faisait déjà un petit moment que je les cherchais. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment avoir le choix au niveau des couleurs, au niveau des coloris. Bien sûr, une fois que vous l'aurez essayé, parce que le but quand même c'est que vous l'essayiez pour être sûr de la taille. Bah, après, vous pouvez choisir sur le site. Vous voyez là maintenant que je suis sûre de ma taille, lorsque j'aurai besoin de différentes couleurs et que je la verrai sur le site, je n'hésiterai pas à la commander en direct, puisqu'au moins je sais, je suis sûre de la taille de chaussures dont j'ai besoin. Voilà, je ne sais pas, je pense qu'il y a certainement bon nombre d'entre vous qui l'avaient déjà, cette paire de sandales, hein, qui est quand même aujourd'hui assez connue. On la voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur Internet, même dans Paris, hein, j'ai vu pas mal de personnes les porter. Franchement, vous ne pouvez pas vous tromper sur ce type de modèle de chaussures. À titre de comparaison, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser effectivement que c'est très cher, ce qui est vrai, hein, pour une paire de sandales, ça reste cher. Maintenant, à titre de comparaison, rapport qualité-prix, pour une paire de chaussures de luxe, très honnêtement, on est sur un très bon produit. J'ai un petit peu comparé chez Dior, sandales chez Dior, parce que j'en voulais aussi une paire de chez Dior. Mais quand on compare les prix, on est quasiment à plus de 100 euros de plus, et ce n'est même pas du tout cuir, hein, c'est-à-dire que vous avez une partie de la chaussure qui est en cuir, et le reste qui sera de tissu. Donc on n'est vraiment pas sur le même type de sandales. J'ai parlé de Dior, mais après vous avez Chanel aussi qui est cher. Voilà, faut qu'on se le dise, hein. On n'est pas du tout sur ce type de modèle de chaussures en termes de qualité, en termes de modèle, puisque bon, le H reste un incontournable, hein, de la maison Hermès. Et également, j'ai parlé de Chanel, vous avez Fendi aussi. Fendi aussi, on est déjà à plus de 600 euros la paire de sandales. Donc vous verrez que rapport qualité-prix, même si ça reste onéreux, on est encore parmi les prix les moins chers, en tous les cas si on parle de chaussures de luxe. Voilà. Surtout qu'ils ont augmenté en début d'année parce que. Oui, c'est ça, ils ont augmenté en début d'année parce que vous voyez, l'année dernière, elles étaient à 490 euros. Donc elles étaient déjà un petit peu moins chères. Aujourd'hui, là, elles sont passées à 510 euros. Et à mon avis, hein, ben, comme à chaque fois, ça risque encore d'augmenter. Alors très honnêtement, si vous avez le moindre doute, allez-y. Ne serait-ce qu'une paire, parce qu'honnêtement, on est tellement bien dedans. Vous avez ici un petit renforcement, vous voyez, qui permet justement d'amortir la chaussure. Et il faut vous dire que le serrage se fait surtout ici. Vous voyez, c'est surtout là. Donc c'est pour ça que là, dans l'idéal, vous voyez, hein, on voit hein, sur l'aspect de la chaussure, ça fait ça. Hein. Donc c'est vrai que quand on a un pied par exemple qui est beaucoup plus large, je pense que c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut partir sur une taille au-dessus. Mais le problème de la taille au-dessus, c'est que ça ira peut-être au niveau de la largeur ici,
Mais le problème qu'il ne faut pas oublier, c'est la longueur du pied. Parce que si vous avez des pieds, vous voyez par exemple, comme ça, qui sont pas trop longs ou même plus grands, et que là c'est trop large, il ne faut même pas oublier que c'est ici. Là, on n'est pas sur une paire de chaussures qui est donc fermée. Et de ce fait, ce qui va vous maintenir dans la chaussure, c'est vraiment ici. Donc si là c'est trop serré ou trop large, effectivement, je pense que ça vous donne des ampoules. Voilà. Donc, même si je me répète dans cette vidéo, mes grands conseils, surtout allez les essayer et essayez-les deux fois dans la journée. C'est-à-dire si vous y allez éventuellement le matin, essayez le matin et l'après-midi, réessayez-les puisque, comme on le sait tous, les pieds, malheureusement, en fonction de la chaleur ou pas, on a tendance à avoir les pieds qui gonflent. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tous les cas, de cette première, et j'espère qu'il ne sera pas la dernière, paire de chaussures de la maison Hermès. C'est une couleur, en plus, qu'on voit assez régulièrement. Mais c'est une couleur où vous ne pouvez pas vous tromper, parce que ce type de couleur-là, généralement, ça va avec tout. Aussi bien quand vous êtes habillé en blanc, quand vous êtes habillé en noir, si vous êtes habillé de façon colorée. Donc pour une première paire, je trouve qu'on ne peut pas du tout se tromper. Après, vous avez la blanche aussi qui est sympa, mais bon, je pense après un petit peu plus salissante, mais qui peut être sympa. Vous avez la noire, vous avez la rose, comme je vous ai dit, il y a plein d'autres paires de sandales de la maison Hermès. Il y a les chypres aussi, je vais vous mettre juste une petite photo aussi là, qui sont très bien, que je kiffe. Alors, j'aurais jamais pensé à vous dire ça, mais j'aime beaucoup. Elles sont très bien. Après, contrairement à ceux-là, vous voyez, moi, j'ai plutôt les pieds assez fins. Donc, les chypres qui sont beaucoup plus larges, ce ne sont pas des chaussures qui me conviendront aux pieds. Vous voyez, à titre d'exemple, hein, je les aime, mais ce n'est pas des chaussures sur lesquelles j'investirais parce que j'ai un pied très fin. Et donc, c'est des chaussures qui sont quand même des sandales, mais qui sont quand même assez larges. Et sur des pieds fins, vous voyez, ça ne va pas. Autant celles-ci me vont ravie, autant les chypres, bah, tout de suite, ça fait. J'ai le pied qui est noyé dans la sandale. Voilà. Mais honnêtement, ils ont de très belles chaussures. Je ne sais pas si vous avez vu mon vlog, mais je vous remets juste le lien ici pour aller y jeter un petit coup d'œil, parce qu'ils ont quand même de très jolies chaussures. Et dans le vlog que je vous ai fait en début de semaine, justement, on voit d'autres différentes paires de chaussures, puisque là, comme vous le savez, on est début août. Début août, ils ont déjà sorti du coup la collection automne-hiver. Donc là, on commence à voir les bottes, on commence à voir pas mal de petites choses sur la collection du coup de cet hiver. Pareil, comme à chaque fois, faut pas trop tarder, parce que si vous attendez si vous attendez, comment dirais-je, cet hiver, bah, vous aurez aussi ce petit problème de taille où vous devrez courir malheureusement après une paire de chaussures, ce qui est un petit peu fatigant, parce que très honnêtement, hein, j'ai quand même fait pas mal de magasins. J'ai essayé de cibler sur le site, mais comme je vous ai dit, pour une première fois, moi, je ne conseille pas. Il faut vraiment les essayer avant. Donc, du coup, bah, même si je les voyais sur le site, je ne pouvais pas trop les acheter. Il fallait vraiment que je les essaye. Et comme je vous l'ai conseillé, il faut vraiment les essayer à plusieurs reprises pour être sûr que vous ne vous trompez pas sur la taille de la chaussure. Et puis surtout, au pire, même si elles vous vont, mais que vous ne vous retrouvez pas après en marchant avec des ampoules. Parce qu'effectivement, bah, les pieds ont tendance à gonfler. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère également que mes explications ont été claires et pourront vous aider si demain vous souhaitez effectivement vous lancer et vous aussi, en tout cas je vous le souhaite, d'acheter une paire de sandales Hermès parce qu'elles sont juste magnifiques. Et c'est vrai que c'est là qu'on revoit encore une fois toute la différence. Ça peut paraître bête, mais c'est les finitions. Les finitions de la chaussure sont juste parfaites. Et ça, dans une paire de chaussures classiques, une paire de sandales classiques, puisqu'on parle de sandales, on ne les retrouve hélas pas. Voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. En tout cas, c'est la fin de journée pour vous. Je vous dis à très vite, peut-être pour une vidéo vlog, pour un prochain vlog. J'adore ça. Et puis, j'ai vu que vous aussi, vous aviez l'air d'apprécier. Donc, c'est tant mieux. Donc, je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Et prenez surtout soin de vous. Profitez de la chaleur. Il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. On est en pleine période estivale et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, de vous abonner, de me lâcher un petit commentaire, ça me fera ultra plaisir. Et je vous dis à très vite pour une toute prochaine vidéo. Au revoir.